إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange Allah, le Créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde, comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations. Nous sommes dans le lieu numéro 28. Alors, on est toujours sur cette parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, où il dit « Il n'est pas possible qu'un homme croie fermement dans son cœur qu'Allah lui a ordonné la prière, la zakat, le jeûne et le hajj, puis qu'il vive sa vie sans jamais faire une prosternation pour Allah, ni jeûner le ramadan, ni s'acquitter de la zakat pour Allah, ni accomplir le pèlerinage dans sa demeure, cela n'est pas envisageable. » Donc ce n'est pas possible. Et cela ne provient que d'une hypocrisie du cœur, non en présence d'une foi correcte. Alors, certains citent cette parole du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, pour rendre mécréant celui qui laisse les quatre piliers, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Alors, ceci n'est pas juste, car la parole d'un savant, à la base, n'est pas du tout une preuve, mais elle a plutôt besoin d'être argumentée, d'être soutenue par des preuves. Deuxièmement, on pose une question. Cette impossibilité est-elle une impossibilité basée sur les textes ou sur la raison? Donc, cette impossibilité est basée sur les textes ou elle est basée sur la raison? Soit elle est basée sur les textes, soit elle est basée sur la raison. Si elle est basée sur la raison, nous disons, d'autres savants ont contredit cela. C'est-à-dire cette impossibilité que vous mentionnez. D'autres savants ont vu que ce n'est pas du tout impossible, c'est possible. Donc c'est une affirmation contre une autre affirmation. Oui. Donc les savants qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé les quatre piliers, n'ont pas vu que c'est impossible. Et le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, lui-même a mentionné ceux qui ont adopté cette position-là. C'est-à-dire la position, n'est-ce pas, disant que celui qui délaisse les quatre piliers ne sort pas de l'islam. Oui. Et là-dedans, on a une riwa de l'imam Ahmed. Et le Cheikh al-Islam lui-même confirme cette riwa-là. Oui. Donc, ces savants qui n'ont pas rendu mécréants, celui qui a délaissé les quatre piliers, n'ont pas vu cette impossibilité-là. Pour eux, ce n'est pas du tout impossible. Et d'où sort-on que c'est impossible? Un homme ou bien quelqu'un a eu la puberté. Ok? Disons, un jeune, il a eu la puberté. C'est quelqu'un qui n'a jamais prié. Ok? On est pendant le mois de Ramadan. Donc on suppose, on est pendant le mois du Ramadan. Il a eu la puberté, c'est quelqu'un qui est riche, et il n'a jamais prié. Il se lève, vous connaissez les jeûnes, hein, les jeûnes sont parfois insouciants. Donc à la base, c'est un musulman. Il croit au prophète, il croit en Allah, hein, au paradis, à l'enfer. Hein? À la base, il croit en Allah. Jade, il n'a commis aucun annulatif de l'islam. Sauf que, il a eu l'âge de la puberté. Jade, et le jour où il a eu l'âge de la puberté, disons qu'on est pendant, on est dans le mois de Ramadan. Et ce jeune garçon est riche. Si on prend la vie des savants qui disent
qu'on prend la zakat, hein, même chez celui-là qui n'a pas du tout atteint l'âge de la puberté, si on prend cette position-là, par exemple, donc disons qu'il n'a pas donné la zakat. Il n'a pas jeûné aussi. Et il n'a jamais prié. Maintenant, il sort. Il va jouer avec ses amis. La voiture le tamponne. Il meurt. Ça, c'est possible ou pas? Celui-là, quelle est sa situation? Il va aller éternellement en enfer. Donc, d'où sort-on cette impossibilité, que c'est impossible. Ensuite, ces savants qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé les quatre filles, ces savants-là voient que la question ici, ce n'est pas une question de raison, mais de preuve. C'est pourquoi ils se sont argumentés du hadith de l'intercession, qu'ils ont trouvé suffisant sur le sujet. Comme on l'a vu dans les propos d'Ibn al-Qayyim. Donc, c'est un problème de dalil. C'est un problème de dalil. Ce n'est pas, c'est impossible. Non, c'est un problème de dalil, de preuve. Même si quelqu'un voit que ça ne passe pas avec sa raison. Jade, même si quelqu'un voit, n'est-ce pas, que cette situation-là ne passe pas avec sa raison. C'est un problème de dalil. Ensuite, ceux qui s'argumentent de cette parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et qui voient que le seul acte dans le délaissement et de la grande mécréance, c'est la prière, nous leur disons, si cette impossibilité est basée sur les textes, ça concerne tous les quatre piliers ou certains. Car vous ne rendez mécréant que celui qui délaisse la prière, parmi les quatre piliers là. Donc, ici ça montre donc clairement que chez vous, il n'est pas du tout impossible que quelqu'un soit croyant et qu'il délaisse toutes les œuvres apparentes en dehors de la prière. Donc s'il ne vient qu'avec l'attestation et la prière, chez vous il est croyant. Il est croyant d'une foi faible. Donc pour vous, ceci n'est pas du tout impossible. Donc chez vous, quelqu'un peut bien avoir la foi et délaisser toutes les œuvres en dehors de la prière. Pour vous, ce n'est pas du tout impossible. Puisque celui qui va délaisser toutes les œuvres en dehors de la prière, chez vous, il est toujours musulman. Pourquoi? Car vous avez trouvé qu'il n'y a aucune preuve qui montre que celui qui délaisse toutes les œuvres apparentes est mécréant en dehors de la prière. Qu'il est mécréant en dehors de la prière. Donc vous ne vous êtes pas basé sur la raison pour faire le taksir. Alors, si on a démontré que les preuves prouvent que celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant, cette impossibilité que vous citez tombe depuis la base. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc à ce moment, la question reviendra aux preuves et non à cette impossibilité que vous citez en vous basant sur votre raison. En plus, vous citez la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais vous ignorez que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, justement, ici, il veut réfuter ces savants de la Sunna qui voit que ceci est possible, que celui qui a délaissé les quatre piliers, il ne sort pas de l'islam. Et ce qu'il a apporté là, ce que le Cheikh al-Islam a dit là, c'est une affirmation qui peut être contredite par une autre
affirmation. Jade. Donc, on peut dire c'est possible. Donc, il a dit il n'est pas possible. On peut dire c'est possible. C'est-à-dire c'est une affirmation contre une autre affirmation. Vous voyez. Et en plus même, cette affirmation est basée sur des preuves. Vous voyez. Et l'impossibilité mentionnée par le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Je vais vous étonner. Son élève, Ibn al-Qayyim, dans une de ses paroles, démontre comment ce genre de situation peut être possible. Jade. Pourtant, Ibn al-Qayyim, grand mécréant, celui qui délaisse totalement la prière. Mais il nous a quand même donné une réponse quelque part. Alors, je ne sais pas si il a fait attention qu'il est en train de répondre à la problématique soulevée par son cher ou il n'a pas fait attention à cela. Dans tous les cas, arju an tantabihu huna. Suivez attentivement. Ibn al-Qayyim, dans son livre Al-Jawab al-Kafi, liman sa'ala an al-dawa'i al-shafi. Donc, on peut dire la réponse suffisante pour celui-là qui a demandé le remède. Bon, remède qui guérit, donc ce qui guérit. On appelle ça aussi adda wa dawa. Que les gens traduisent généralement par péché et guérison. Mais sinon, si on veut bien traduire, c'est la maladie et le remède. La maladie et le remède. Alors, dans ce livre, Ibn al-Qayyim dit ceci, à la page 57, « Fa'in qulta » Suivez attentivement. « Fa'in qulta » كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل الله أكبر vraiment qu'Allah fasse miséricorde à ce grand savant qu'Allah fasse miséricorde à ce grand savant et à son cher aussi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Voilà des hommes qu'Allah nous facilite. Il dit فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يَجْتَمِعُ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ بِالْمَعَادِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَيَتَخَلَّفُ الْأَعْمَالُ وَهَلْ في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء الله أكبر ابن القيم دي Si tu dis, comment peut-on rassembler la croyance ferme à laquelle il n'y a pas de doute, à la résurrection, au paradis et à l'enfer, et le fait de s'en détourner ensuite dans les actes? Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit, si tu dis, comment peut-on rassembler la croyance ferme à laquelle il n'y a pas de doute à la résurrection, au paradis et à l'enfer, et le fait de s'en détourner ensuite
dans les actes. C'est-à-dire, comment on peut avoir une croyance ferme à la résurrection, au paradis, à l'enfer, et puis on s'en détourne ensuite, hein, et puis on s'en détourne dans les actes. Comment est-ce possible? Comment on peut rassembler ces deux choses-là? Donc tu sais que ce que tu fais là, c'est haram, c'est interdit. Et tu n'as pas le droit de faire cela. Mais tu fais quand même. Alors que tu as la certitude que tu seras ressuscité. Que tu seras ressuscité. Tu as la certitude que le paradis existe, l'enfer existe. Donc, tu délaisses quand même les actes. Kayfahaz. Ibn al-Qayyim dit, si tu dis, comment peut-on rassembler la croyance ferme à laquelle il n'y a pas de doute à la résurrection, au paradis et à l'enfer, et le fait de s'en détourner ensuite dans les actes. Il dit, et est-il dans la nature humaine, qu'un homme sache qu'on lui demande de se présenter devant, un roi demain? Et est-il dans la nature humaine qu'un homme sache qu'on lui demande de se présenter demain devant un roi qui va le châtier durement ou qui va l'honorer pleinement? Puis il passe la nuit en étant insouciant et distrait, sans se rappeler son arrivée devant le roi, sans s'y préparer et prendre ses dispositions. Est-ce que ça, c'est dans la nature humaine? Il dit, est-il dans la nature humaine qu'un homme sache qu'on lui demande de se présenter demain devant un roi qui va le châtier durement ou qui va l'honorer pleinement? Puis il passe la nuit en étant insouciant et distrait, sans se rappeler son arrivée devant le roi, sans s'y préparer et prendre ses dispositions. Ibn Qayyim dit, on dit, par la vie d'Allah, par Allah, c'est là une question exacte qui se pose à la plupart des créatures. Le rassemblement de ces deux choses font partie des choses les plus étonnantes. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit, le rassemblement de ces deux choses font partie des choses les plus étonnantes. C'est-à-dire, tu crois fermement en l'au-delà, et tu as la certitude que tu seras jugé. Malgré ça, tu te détournes au niveau des actes. Est-ce possible? Est-ce possible? Ibn al-Qayyim nous fait comprendre que ceci est possible et que ça a des causes. Ça a des causes. Il dit ceci. هذا التخلف له عدة أسباب أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد تؤمنين ويصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة
وإذا اجتمع إلى الضعف العلمي عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. الله أكبر. Et je profite à rappeler que ce livre d'Ibn al-Qayyim, La maladie et le remède, c'est un livre magnifique, surtout pour ceux qui sont éprouvés par les péchés. Ils ont du mal à délaisser certains péchés. Vraiment, il faut lire ce livre. C'est un livre magnifique. C'est magnifique. Bien évidemment, de préférence, il faut lire ça avec devant un savant ou bien il faut lire ça avec un savant ou bien avec un étudiant en sciences. Alors, Ibn al-Qayyim dit, donc on reprend les propos d'Ibn al-Qayyim depuis le départ. Il dit, si tu dis, comment peut-on rassembler la croyance ferme à laquelle il n'y a pas de doute à la résurrection, au paradis et à l'enfer, et le fait de s'en détourner ensuite dans les actes? Et est-il dans la nature humaine qu'un homme sache qu'on lui demande de se présenter demain devant un roi qui va le châtier durement ou qui va l'honorer pleinement? Puis il passe la nuit en étant insouciant et distrait, sans se rappeler son arrivée devant le roi, sans s'y préparer et prendre ses dispositions. On dit, par Allah, c'est là une question exacte qui se pose à la plupart des créatures. Le rassemblement de ces deux choses font partie des choses les plus étonnantes. Ensuite, il dit, ce manquement au niveau des actes a plusieurs causes. Il dit, l'une de ces causes est la faiblesse de science et la faiblesse de certitude. Parce que la certitude, si les gens de la sunna augmente et baisse, elle augmente et baisse. Jade, si on te dit par exemple que telle chose brûle, quelqu'un t'a donné l'information, quelqu'un de digne de confiance. Il te dit que telle chose brûle. Ok? Tu sais qu'il ne ment pas. Donc tu as la certitude que ça brûle. Car tu as reçu l'information. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui se brûle avec cette chose-là, ou si tu vois que cette chose-là brûle quelqu'un, ta certitude va augmenter. Si ça te brûle toi-même, ta certitude peut encore augmenter. Vous voyez? Donc la certitude augmente et baisse. Jade, contrairement au Murji'a, qui voit que ça n'augmente pas, ça ne baisse pas. Jade. Parce qu'il y a certains qui pensent que si on dit que la certitude baisse, ça veut dire qu'on va atteindre forcément le niveau du doute.
le stade du doute. Non, pas forcément. Pas forcément, Jade. Vous pensez que notre certitude est la même que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc la certitude, n'est-ce pas, au paradis, l'enfer, le-delà. Vous voyez? Bref. Ibn al-Qayyim dit, l'une de ces causes, la faiblesse de science et la faiblesse de certitude. Il dit, celui qui pense que la science ne diffère pas d'une personne à une autre, ou même que la science que la personne possède ne diffère pas en fonction des choses, pardon, il dit, sa parole fait partie. Sa parole fait partie des plus mauvaises paroles et des plus fausses. Il dit, Ibrahim le Khalil a demandé à son Seigneur de lui montrer comment il fait revivre les morts, après sa connaissance que le Seigneur en est, que le Seigneur en est capable. Donc il savait qu'Allah était capable de faire cela. Il a quand même demandé, hein, à voir cela. Pourquoi? Il dit ceci afin d'augmenter sa sérénité et que ce qui était connu, mais invisible, donc qui n'était pas visible, devienne visible. Donc qu'il puisse voir cela. Il dit, Ahmed a rapporté dans son Mousnad, d'après le prophète, qui a dit, celui qui reçoit l'information n'est pas comme celui qui a vu. Vous voyez. Ou bien, ce qu'on a comme information n'est pas comme ce qu'on voit. Vous voyez, si tu as l'information, on t'a dit, mais tu n'as pas vu, ce n'est pas comme lorsque tu vois. Lorsque tu vois la chose. Jade. Il dit, si à la faiblesse de la science, écoutez, hein, il dit, si à la faiblesse de la science vient s'ajouter le fait de ne pas s'en rappeler ou son absence dans le cœur en de nombreux moments ou la plupart du temps. Vous voyez, parfois, quelqu'un va faire le zina. Il sait que le zina est haram. Il sait que le zina est haram. Mais le moment, c'est-à-dire au moment où il va faire le zina là, il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas du châtiment de la tombe, il ne se rappelle pas, n'est-ce pas, il ne se rappelle pas du danger du zina. Vous voyez. Il ne se rappelle pas de tout ça. Vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui sait, il sait que le zina est haram. Mais au moment où il va faire l'acte là, il ne se rappelle pas du danger du zina. Hein? Il ne se rappelle pas que là, il est vraiment dans un danger s'il meurt comme ça. N'est-ce pas? Si Allah ne lui pardonne pas, il est dans des problèmes. Oui. Donc, parfois, quelqu'un peut être dans cette situation-là. Oui. Quelqu'un sait que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Mais il délaisse quand même cela. Au moment où il délaisse, il ne se rappelle pas du danger, hein, du fait de délaisser le jeûne. Vous voyez. Donc il dit, si à la faiblesse de la science vient s'ajouter le fait de ne pas s'en rappeler, ou son absence dans le cœur en de nombreux moments, ou la plupart du temps, en raison du fait qu'on se préoccupe de ceux qui s'y opposent, et si on ajoute encore à cela les exigences de la nature, la domination des passions. Donc la passion domine, les passions dominent. Il dit, et si on ajoute encore à cela les exigences de la nature, la domination des passions, l'emprise des désirs, le fourvoiement de l'âme, la tromperie de Shayton, le fait de trouver lointaine la promesse. Hein? Il voit que c'est loin. Oh, le paradis, c'est quand le paradis, on va rentrer au paradis. Hein? Les espérances lointaines, l'insouciance, l'amour de ce bas monde, les permissions tirées des fausses interprétations,
l'accoutumance, les habitudes aux avantages. Si ces choses sont présentes, écoutez, Ibn al-Qayyim dit, si ces choses sont présentes, ne retient la foi que celui qui retient les cieux et la terre de disparaître. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit, si ces choses sont présentes, ne retient la foi que celui qui retient les cieux et la terre de disparaître. Ensuite, il dit, c'est pour cela que les gens diffèrent dans la foi et les œuvres, jusqu'à parvenir au plus bas atome de foi dans le cœur. Il dit, mais l'ensemble de ces causes revient à la faiblesse de clairvoyance et de patience. Fin de citation. Vous voyez ça? Vraiment qu'Allah nous préserve, qu'il nous fasse mourir sur le tawhid, sur la foi, et qu'il nous éloigne des péchés. Vous voyez ça? Donc, la problématique soulevée par le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, en réalité, trouve sa réponse ici. Donc, ce n'est pas du tout impossible. C'est possible. Et ça a des causes. Ça a des causes. Donc, dire que la personne ne peut pas croire et délaisser les quatre piliers n'est pas juste. C'est possible. Et cela peut avoir plusieurs causes. Ceci est dû à la faiblesse de foi. Quelqu'un ne peut pas avoir une foi complète et délaisser les quatre piliers, oui. Mais une foi faible, très faible même, qui arrive même, qui atteint, n'est-ce pas, le plus bas, le plus bas, le plus bas atome de foi. Vous voyez, c'est pourquoi Ibn al-Qayyim dit ici, si ces choses sont présentes, ne retient la foi que celui qui retient les cieux et la terre de disparaître. C'est pour cela que les gens diffèrent dans la foi et les œuvres, jusqu'à parvenir au plus bas atome de foi dans le cœur. Allahu Akbar. Vous voyez. Donc il peut y avoir plusieurs causes. Et Ibn al-Qayyim nous a cité les causes ici. Vous voyez. Donc, dire que quelqu'un ne peut pas être croyant et délaisser les quatre piliers, ceci n'est pas juste. Il peut, il y a plusieurs causes. Vous voyez. Et parmi les causes aussi, le dunya. Vous voyez. Le dunya, le manque de science. La diminution de certitude. Et toutes les causes qu'Ibn al-Qayyim a mentionnées ici. Vous voyez. Ensuite, il y a une autre parole d'Ibn al-Qayyim que j'aimerais lire ici dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha à la page 51. Il dit ceci: وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. Il dit, si les œuvres du cœur disparaissent et qu'il y a l'approbation, il dit, c'est là où se situe la guerre entre les Mourji'a et les gens de la Sunna. C'est là où se situe la guerre entre les Mourji'a et les gens de la Sunna. Si les œuvres du cœur disparaissent et l'approbation est toujours là. Jaïd, l'approbation est toujours là. Pourquoi Ibn al-Qayyim ici n'a pas parlé des actes apparents? Il parle des actes du cœur. Pourquoi il n'a pas dit, par exemple, si les actes apparents disparaissent, c'est là où se situe la guerre entre les Mourji'a et les gens de la Sunna. Parce que Ibn al-Qayyim sait
il sait que les gens de la Sunna ont divergé sur le jugement de celui qui les laisse, les actes apparents. Il sait que, c'est-à-dire au sein même des gens de la Sunna, il y a une divergence. Et lui-même, il a mentionné qu'on avait lu sa parole. Les savants qui ont dit que le délaissement des actes n'est pas du kufr, donc du grand kufr. On avait lu ça. Donc Ibn al-Qayyim sait. C'est-à-dire les gens aujourd'hui, vraiment c'est terrible. Ils vont parfois citer Ibn al-Qayyim, le Cheikh al-Islam, qui réfute l'autre position, donc la position de ceux qui disent que celui qui a délaissé les actes apparents, hein, il n'est pas sorti de l'islam, mais ils sont distraits. Ils ne comprennent pas que ces deux savants-là reconnaissent la divergence. Ils savent qu'il y a une divergence. Même s'ils n'ont pas été d'accord avec l'autre position. C'est leur droit. S'ils ont vu que ça ne tient pas, ils ont le droit de ne pas adopter cette position. Mais venir dire qu'il n'y a pas de divergence, ça ne tient pas. Donc pourquoi il n'a pas dit, mon frère Elenga, je vais emprunter ton expression, c'est révélateur ici. Il parle ici de la disparition des actes du cœur. Pourquoi il n'a pas parlé de la disparition des actes apparents? Il dit, si les actes du cœur disparaissent et que l'approbation reste, il dit, c'est là où se situe la guerre entre les Mourdia et les gens de la Sunna. Parce que les Mourdia, c'est vrai, les Mourdia ne rendent pas mécréants aussi, celui qui a délaissé les actes apparents. Ok? Mais il y a une divergence aussi au sein même des gens de la Sunna sur le jugement de celui qui délaisse les actes apparents. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, à l'aide le plus savant, c'est pourquoi il met un accent ici sur ça. Et c'est là où il y a la guerre entre les Mourdia et les gens de la Sunna. Naam, un groupe des gens de la Sunna rend mécréant celui qui a délaissé les actes apparents. Jaïd. Et ils peuvent même réfuter les Mourdia par rapport à ça. Il n'y a pas d'ishkal. Ils peuvent même réfuter les autres savants de la Sunna qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les actes apparents. Il n'y a pas d'ishkal. Jaïd. Mais le problème, c'est de prétendre ici un consensus. Prétendre un consensus qui ne tient pas. Il dit ensuite, écoutez, fa ahlu sunnati mujmi'un ala zawal al-iman. Il dit, les gens de la sunna sont unanimes que la foi disparaît. C'est-à-dire, si les actes du cœur disparaissent, la foi disparaît, même s'il y a l'approbation. Donc celui-là n'a pas la foi. Il dit, les gens de la sunna sont unanimes. C'est révélateur ici. Donc, Ibn al-Qayyim nous fait comprendre que les gens de la Sunna sont unanimes sur quoi? Ils sont unanimes que si les actes du cœur disparaissent, la foi disparaît. Est-ce qu'ils sont unanimes sur les actes apparents? Non. C'est-à-dire sur la disparition. Est-ce qu'ils sont unanimes que la disparition des actes apparents implique la disparition de la foi? Non. Non. C'est pourquoi les propos d'Ibn al-Qayyim ici, là, celui qui est intelligent, celui qui médite bien, celui qui réfléchit bien, celui qui vraiment il médite, il va comprendre qu'il n'y a pas de consensus. Déjà, il a mentionné la divergence, on avait déjà vu ça. Mais même ici, là, celui qui médite bien, il comprend qu'il n'y a pas de consensus sur la mécréance, celui qui a délaissé les actes apparents chez les gens de la Sunna. Maintenant, il dit quoi? Il dit, وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. Il dit, les gens de la Sunna sont unanimes, n'est-ce pas, que la foi disparaît par la disparition des actes du cœur et que l'approbation n'est pas profitable s'il n'y a pas des œuvres du cœur. Il dit, et il s'agit de son amour sa soumission. Donc il faut savoir aussi que le cœur a une soumission, c'est-à-dire que la soumission aussi est un acte du cœur. Il y a des gens, souvent quand on parle de soumission, ils pensent seulement à l'extérieur. Non, il y a aussi la soumission intérieure. Il y a la soumission
intérieure chez les gens de la Sunna. Il dit كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. Il dit, comme cela n'a pas été profitable pour Iblis. Iblis, vous savez qu'Iblis a fait l'orgueil. Il a fait l'orgueil, comme c'est venu dans le Coran, il a refusé, il a fait l'orgueil. Il était du nombre des mécréants. Vous voyez. Il dit, comme cela n'a pas été profitable à Iblis, à Pharaon et son peuple, lui aussi il a fait l'orgueil. Il dit, les juifs, les associateurs, qui, n'est-ce pas, qui croyaient que le prophète était véridique, et qui affirmaient cela même, que ce soit en cachette ou ouvertement. Et il disait qu'il ne ment pas, donc que le prophète ne ment pas. Mais, il disait, on ne le suit pas, nous ne croyons pas en lui. Donc celui-là n'est pas musulman. Celui qui dit le prophète est véridique, mais ne suit pas le prophète, il dit je ne suis pas le prophète, je ne crois pas en lui, celui-là n'est pas musulman. Il dit, وَإِذَا كَانَ Écoutez maintenant, et méditez sur cette parole. Il dit, وَإِذَا كَانَ الْإِيمَانُ يَزُولُ بِزَوَالِ عَمَلِ الْقَلْبِ فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح. Ibn al-Qayyim dit, si la foi disparaît par la disparition des œuvres du cœur, qu'elle disparaisse par la disparition de la plus grande œuvre apparente, n'est pas une chose désapprouvée ou étonnante. Pourquoi Ibn al-Qayyim s'est focalisé sur la plus grande œuvre? Il dit quoi? Il dit, et là il vise quoi par la plus grande œuvre? La prière. Donc, lorsqu'il dit ici, si la foi disparaît par la disparition des actes, qu'elle disparaisse par la disparition de la plus grande œuvre n'est pas une chose désapprouvée, étonnante. Vous voyez ça? Alors, c'est clair ou c'est pas clair? Donc c'est comme si Ibn al-Qayyim veut faire comprendre que le problème, l'ishkal ici, ce n'est pas les autres actes, mais la prière. Donc, c'est comme s'il veut dire, si les gens de la Sunna sont unanimes, ok, que la disparition des actes du cœur implique la disparition de la foi, il dit, donc, qu'elle disparaisse, donc la foi, qu'elle disparaisse par la disparition de la plus grande, de la plus grande œuvre, n'est pas une chose désapprouvée, ce n'est pas du tout une chose étonnante. Vous voyez ça? C'est comme si il veut en fait réfuter ceux-là qui, n'est-ce pas, ne rendent pas mécréants celui qui a laissé les actes apparents. Ceux-là qui ne rendent pas mécréants celui qui a laissé la prière. Donc c'est comme s'il voulait dire, si vous êtes d'accord que la disparition des actes du cœur implique la disparition de la foi, alors qu'est-ce qui est étonnant si on dit que la foi disparaît par la disparition de la plus grande œuvre, qui est la prière. Donc, c'est pas étonnant. Oui. Et intabiruhuna, il faut faire attention, il faut faire une différence entre ce qu'on appelle intakhrij et le fait de prétendre ou d'affirmer un consensus. Je vous donne un exemple.
Vous savez que les savants ont divergé concernant l'obligation du voile intégral. Est-ce qu'il est obligatoire à la femme musulmane de couvrir son visage, oui ou non? Alors, quelqu'un peut dire, les bras de la femme, sont une cause de fitna, de tentation. Et donc, vous êtes d'accord qu'elle doit couvrir cela. C'est une cause de tentation. Mais le visage, si on veut parler en termes de tentation, c'est une cause plus grande que le bras. Et donc, si vous êtes d'accord qu'elle doit couvrir le bras, Jaïd, alors il convient de dire qu'elle doit également couvrir le visage. Oui, ça c'est un tahrij. Oui. Donc, si on est d'accord sur ceci, Jaïd, alors pourquoi ne pas être d'accord sur cela? Oui. Mais après, prétendre un consensus, non. Vous voyez, on ne peut pas prétendre un consensus ici. Donc ça, c'est un argument qui peut, n'est-ce pas, qui peut être discutable. Par exemple, quelqu'un peut dire, on dit que la femme peut découvrir son visage et ses mains, car on a le dalil qui montre qu'elle peut découvrir le visage et les mains. Quant au bras, on n'a pas le dalil. Donc on n'a pas besoin de cet argumentaire que vous apportez. Donc on a le dalil qui montre que là-bas elle peut découvrir. Et ici on n'a pas le dalil. Et donc ici, là, on dit qu'elle doit couvrir ses bras. Ok? Le visage et les mains, on dit qu'elle peut découvrir car il y a le dalil. Ou bien, quelqu'un peut dire, quand on regarde, on voit que le visage, il y a des besoins qui sont en rapport avec le visage. La femme peut avoir besoin de manger, de faire le commerce, acheter, vendre. Vous voyez, il peut y avoir un besoin de la connaître, c'est-à-dire de pouvoir la reconnaître au cas où. Les mains, la femme achète, elle vend, vous voyez, elle peut vendre, elle peut acheter, elle ramasse des choses, etc. Donc, il y a des besoins ici, liés au visage et aux mains, qui ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas, pour les bras. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment un besoin de découvrir ses bras. Il n'y a pas vraiment un besoin, ici, de découvrir ses bras. Mais un besoin de découvrir les mains et le visage. Et donc c'est comme si notre législateur a vu ce besoin-là. Et donc il a autorisé ici, ok, et il n'a pas autorisé là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas vraiment ce besoin-là. Il n'y a pas vraiment ce besoin-là. Vous voyez un peu? Donc, quelqu'un peut aussi répondre comme ça, vous voyez. Donc, il faut faire la différence entre le fait de faire un tahrij, c'est-à-dire, toi tu viens, tu te bases sur une base. Tu dis, ici on est d'accord sur ça. Et donc, ici aussi, il n'y a rien d'étonnant qu'on dise la même chose. Oui. Ça, ce que tu ramènes là, ça peut être discutable. Mais tu ne prétends pas, tu ne dois pas prétendre ici un consensus s'il n'y a pas de consensus. Oui. Donc, bref, Ibn al-Qayyim ici, d'ici la foi disparaît par la disparition des actes du cœur, donc il n'y a rien d'étonnant, qu'elle disparaisse par la disparition de la plus grande œuvre n'est pas une chose désapprouvée ou étonnante. Jaïd. Ensuite, nous disons, l'ishkal, le débat n'est pas est-ce une chose désapprouvée ou étonnante. L'ishkal, c'est le dalil. Où est le dalil? Aïna dalil ala haza. C'est-à-dire, où est le dalil qui montre que la foi disparaît par la disparition de la plus grande œuvre apparente. C'est ça, en fait, le problème. Donc,
Le débat n'est pas est-ce que c'est quelque chose de désapprouvé ou c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est étonnante. Non. Est-ce que c'est une chose étonnante? Non, c'est pas. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est est-ce qu'on a un dalil qui justifie ça? Un dalil clair. C'est ça le problème ici. Vous voyez? Et en réalité, on n'a pas un dalil clair. Il dit donc, après il a dit quoi? Surtout si ça implique, n'est-ce pas, l'absence d'amour dans le cœur et de soumission, qui implique l'absence d'approbation ferme. Alors, cet istidlal d'Ibn al-Qayyim fihi nazar. Si on ne restreint pas ça, hein, un khariji peut prendre ça, s'argumenter de cela, et rendre mécréants des gens comme ça. C'est-à-dire dire que le fait que la personne ne prie pas, c'est le dalil que la personne n'a pas l'amour dans son cœur, ni la soumission. Naam, la personne, le fait que la personne ne prie pas, ça montre que la personne n'a pas un amour complet. Al-mahabbatu tam. Naam. Mais la base de l'amour, non. Parce que quelqu'un peut venir là, quelqu'un peut dire, celui qui délaisse la zakat, c'est la preuve qu'il n'a pas l'amour dans son cœur et la soumission. Donc la soumission dans son cœur. Quelqu'un qui délaisse le jeûne, c'est la preuve qu'il n'a pas l'amour et la soumission dans son cœur. Quelqu'un peut même dire, quelqu'un qui commet le zina, c'est la preuve qu'il n'a pas l'amour et la soumission dans son cœur. Vous voyez, on fait le takfir comme ça. Non. Donc, pour que ça ne soit pas un argument pour les Khawarij, n'est-ce pas, il convient de restreindre ça. Jaïd, il convient de restreindre ça. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir l'amour, c'est-à-dire, il y a l'amour, hein, qui est, l'amour dans son cœur a atteint la perfection, ok? La soumission aussi, et puis la personne délaisse sa prière. Chef Haz, oui. Mais la base de l'amour, s'il y a la base de l'amour, c'est-à-dire s'il y a l'amour, mais l'amour là est faible, mais il y a quand même la base de l'amour, c'est possible que la personne délaisse sa prière. Oui. La soumission est là. Jade, la soumission est là, mais elle est faible. Elle est faible. Il dit. Il dit donc l'absence d'obéissance dans le cœur implique l'absence d'obéissance au niveau des membres apparents. Nous disons la présence d'une obéissance dans le cœur, minime soit-elle, n'est-ce pas? Minime soit-elle, ok, peut engendrer l'absence d'obéissance des membres apparents. Je reprends. La présence d'une obéissance dans le cœur, minime soit-elle, Jade, peut entraîner l'absence d'obéissance au niveau des membres apparents. Parce que cette obéissance qui est dans le cœur, elle est faible. Elle est quoi? Elle est faible. Vous voyez? Elle est faible. Parce que si elle était totale, complète, la personne devait, n'est-ce pas, obéir au niveau des membres apparents, des actes apparents. Parce que si on ne fait pas ces restrictions-là, hein, ça peut devenir des arguments pour des khawarij. Ils vont dire, rien qui fait le zina, par exemple, ça prouve qu'il n'y a pas d'obéissance dans son cœur. Et donc l'absence d'obéissance dans le cœur, c'est ce qui a fait que la personne fasse le zina. Et donc la personne est mécréante. Celui qui délaisse la zakat, ça prouve l'absence d'obéissance dans son cœur. Et donc l'absence d'obéissance dans son cœur implique, n'est-ce pas, cette absence d'obéissance-là, hein, au niveau du pilier de la zakat. Vous voyez ça? Ensuite, il a dit, si le cœur,
Si le cœur obéit et se soumet, les membres aussi vont obéir et se soumettre. Jaid, Naam. Si le cœur obéit d'une obéissance complète, d'une soumission complète, il n'y a pas de doute que les membres vont également obéir et se soumettre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans le cas où l'obéissance qui est dans le cœur est faible. Elle n'est pas du tout inexistante. Elle est là, mais elle est faible. Cette obéissance qui est faible là, est-ce que cette obéissance qui est faible là ne peut pas engendrer cette situation où la personne va délaisser, n'est-ce pas, la prière? C'est ça en fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Après, il a dit l'absence d'obéissance et de soumission implique l'absence d'approbation qui implique l'obéissance. Il dit c'est ce qui est la réalité de la foi. Quelle est cette absence d'obéissance et de soumission qui implique, n'est-ce pas, l'absence du tasdir, qui implique l'obéissance. Quelle est cette absence, n'est-ce pas, d'obéissance-là? C'est l'absence, l'absence d'une obéissance, de la base de l'obéissance. L'absence de la base de l'obéissance et de la base de la soumission. Oui, effectivement, c'est ça. Ça implique, donc ça, il n'y a pas de problème. Cette absence-là implique, n'est-ce pas, l'absence d'approbation qui implique l'obéissance. Il dit, c'est ça la réalité de la foi, c'est-à-dire l'approbation qui implique l'obéissance. Il dit, certes la foi n'est pas juste la simple approbation. Comme on l'a éclairci, c'est l'approbation qui implique l'obéissance et la soumission. Et ça, nous sommes tout à fait d'accord que c'est l'approbation qui implique l'obéissance et la soumission. Sauf que nous disons que cette obéissance et cette soumission augmentent et baissent. Elles augmentent et baissent. C'est ça, en fait. Vous voyez. Elle augmente et baisse. Donc, il peut y avoir l'obéissance et la soumission, là, qui est dans le cœur, mais c'est faible. Ce n'est pas du tout inexistant. C'est faible. Oui. Sinon, il ne devait même pas être musulman. Il ne devait même pas attester. Il ne devait même pas chercher à s'écarter du grand kufr et du grand shirk. Il dit... C'est ainsi la guider. Ce n'est pas le simple fait de connaître la vérité, mais c'est la connaissance qui implique le suivi et l'acte en fonction de ce que cela implique. Jait. Même si on appelle le premier cas là guider, donc c'est-à-dire le fait de connaître la vérité, il dit ce n'est pas la guider complète qui implique que la personne soit guidée. Jait. Il dit de même. La croyance qu'une chose est véridique, qu'une chose est vraie, la croyance qu'une personne est véridique, ou bien la croyance qu'une chose est vraie, même si on appelle ça approbation, ce n'est pas l'approbation qui implique la foi. Il dit il faut réviser cette base. Donc en résumé, ce qu'Ibn al-Qayyim a dit ici, on n'a pas d'ishkal, sauf, c'est-à-dire vers la fin, sauf qu'on doit préciser, ici, que l'absence de soumission dans le cœur, si elle est totale, c'est-à-dire aucune soumission, ça c'est clair, la personne est mécréante, ok? Mais si la soumission est faible, dans le cœur, ok? Est-ce que cette soumission qui est faible là, peut quand même faire en sorte que la personne délaisse la prière? Ou bien on va dire, ce n'est pas possible. Si la soumission qui est dans le cœur là-même est faible, la personne doit forcément prier. Nous disons,
cette soumission-là, si elle est faible dans le cœur, il est possible que la personne délaisse la prière. Jade. Et ça, c'est un point qui est très important à comprendre ici. Alors, si on a compris tout ça, je crois qu'on a terminé avec les ambiguïtés du frère Elenga. Je crois bien. Il nous reste juste trois choses. Premièrement, le prétendu consensus sur la mécréance de celui qui délaisse ses actes apparents. On a déjà dit qu'il n'y a pas de consensus. Et si un savant dit qu'il y a consensus, c'est dû au fait qu'il a ignoré qu'il y a divergence. C'est tout. Et le frère Elenga me fait penser à une parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. L'imam Nawawi a dit qu'il y a consensus des salafs sur la validité de la prière sur une terre volée. Terre qu'on a pris avec force. Il a dit dans son explication du Sahih Muslim, la prière sur une terre volée est valide. On n'a pas besoin de la rembourser chez la majorité des savants. D'ailleurs, par consensus des salafs. Ça, c'est au tome 1 à la page 156. Alors, certains savants ont repris l'imam Nawawi sur ça. Ils ont expliqué qu'il n'y a pas de consensus. Et que l'imam Ahmed, même dans une riwaya, a contredit cela. Mais ce qui est apparent, c'est que l'imam Nawawi voyait que le consensus était bien avant l'imam Ahmed. Vous voyez. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas cité la preuve qui justifie cela. La preuve qui justifie que le consensus l'a été avant. Vous voyez. Alors, le Cheikh al-Islam a réfuté cette prétention-là, c'est-à-dire ce consensus-là. Il a réfuté le fait de prétendre un consensus des salafs sur la validité de la prière sur une terre volée. Mais il n'a pas réfuté directement l'imam Nawawi. Mais celui qui a dit ça avant l'imam Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Fatawa al-Kubra, au tome 6, à la page 581, il dit هو يعني الباقلاني في غير موضع يدعي إجماعات لا حقيقة لها كدعواه إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار المخصوبة. Il dit الباقلاني à plusieurs endroits prétend des consensus qui n'ont pas de réalité. Yadda'i ijma'at la haqiqata laha. Le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit, à plusieurs endroits, il prétend des consensus qui n'ont pas de réalité. Donc ça n'existe pas. C'est-à-dire, il dit consensus, mais quand on vient dans la réalité, il n'y a pas de consensus en réalité. C'est ça en fait le problème. Donc il ne suffit pas de dire consensus, ou bien il ne suffit pas que quelqu'un dise qu'il y a un consensus. Il faut que ce consensus soit réellement prouvé. Mais si on se rend compte que le consensus là ne tient pas, c'est-à-dire le savant qui a dit consensus, il a dit par rapport à ce qu'il savait. Il n'a pas vu de divergence. Il s'est basé sur ça. Mais si on trouve la divergence, si on trouve qu'il y a une divergence, le consensus là ne tient plus. C'est-à-dire que ça n'a plus une réalité, c'est plus réel, c'est plus vrai. Même si c'est écrit dans le livre consensus, ça ne tient plus parce qu'il y a la divergence. Il y a la divergence. Oui. Et le savant qui a dit consensus, là, il a excusé. Il a dit ça par rapport à ce qu'il savait. C'est pourquoi parmi les conditions pour qu'un consensus soit valide, soit valable, il faut quoi? Il ne faut pas qu'il y ait une divergence. Bien avant. Le savant qui dit qu'il y a consensus là, s'il y a une divergence bien avant lui, son consensus ne tient pas. De même s'il y a même une divergence à son époque même. Donc, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Donc, ça ne sert à rien de dire consensus. Mais si le consensus, on a démontré qu'il y a de la divergence, on a démontré déjà qu'il y a divergence, c'est fini. Ça ne sert à rien encore d'être là, consensus. Donc, le Cheikh al-Islam dit, à plusieurs endroits,
Donc Al-Baqila, il y a plusieurs endroits, prétend des consensus qui n'ont pas de réalité. Comme sa prétention qu'il y a consensus des salaf sur la validité de la prière sur une terre volée. Fin de citation. Alors, je vais emprunter les propos du Cheikh al-Islam ici. Et je dis, le frère Elenga prétend des consensus qui n'ont pas de réalité. Le frère Elenga prétend des consensus qui n'ont pas de réalité. Comme sa prétention qu'il y a consensus des savants de la Sunna sur la mécréance de celui qui les laisse les quatre piliers rassemblés. Et sa prétention qu'il y a consensus des salafs sur la mécréance de celui qui les laisse les actes apparents. Alors, le frère Elenga a cité une parole d'Ibn Battah. Mais comme d'habitude, il n'a pas compris cette parole. Il fait du suivi aveugle. Le suivi aveugle des gens sur Internet. Ibn Battah, mon frère Elenga, ne parle pas de la base de la foi. Quand il parle de croyant là-bas. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, tu lis des propos des savants. Il faut déjà savoir qu'il y a des savants qui font la différence entre croyants et musulmans. Mais je sais quand même que ça, tu le sais. Mais le problème, c'est que quand tu lis, tu ne fais pas attention à ça. Il y a des savants qui font la différence entre croyants et musulmans. Donc, lorsque tu lis des propos des savants où ils disent croyants, croyants, il faut prendre en compte cette base. Et Ibn Battah fait partie des savants qui font la différence entre l'islam et la foi. On avait déjà vu ça dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'i. Ibn Battah, mon frère Elenga, ne parle pas de la base de la foi quand il parle de croyants là-bas. Effectivement, la personne ne peut pas être croyante d'une foi complète si ce n'est avec les trois choses qu'il a citées. Donc, il faut la parole du cœur, la parole de la langue et les actes du cœur et les actes des membres apparents. Sinon, on ne peut pas avoir une foi complète. Ça, c'est clair. Donc, on ne peut pas être croyant, c'est-à-dire croyant d'une foi complète. C'est pourquoi il te dit quoi? Pour prouver qu'il ne parle pas là-bas de la base de la foi. Il te dit, c'est-à-dire il parle de ce qui est plus, c'est-à-dire la personne vient avec la base de la foi, mais il y a plus que ça. Pour prouver ça, il te dit quoi? Il te dit, summa, écoute bien, toi-même tu as lu ça, mais tu n'as pas compris. Il te dit, summa, la yakunu aibon, ma zalika mu'minan, hatta yakuna muwafiqan li sunna, fi kulli ma yakuluhu. Écoute bien, il dit, fi kulli ma yakuluhu, wa ya'maluhu, muttabi'an lil kitab wal ilmi fi jami'i aqwalihi wa a'malihi wa bi kulli ma sharahtuhu. C'est cette partie là, hein? J'ai insisté sur cette partie là, mais tu n'as pas compris les propos d'Ibn Battah. Il a dit wa bi kulli ma sharahtuhu lakum nazala bihi al-Qur'an wa madat bihi as-sunnah وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ. C'est ce qui t'a embrouillé ici. Ibn al-Battah dit quoi? Écoutez bien, il dit, et il ne sera pas également croyant. Il faut bien comprendre. Et il ne sera pas également croyant. Donc, il dit bien croyant ici. Et il dit même, c'est la suite en fait, il dit, et il ne sera pas également croyant. Il dit, jusqu'à ce qu'il soit aussi en conformité avec la sunna dans tout ce qu'il va dire et œuvrer. Dans tout ce qu'il va dire et œuvrer. Je pose une question. Celui qui n'est pas en conformité avec la sunna, dans tout ce qu'il va dire et œuvrer, il est mécréant. Par exemple, quelqu'un a dit une parole qui n'est pas en conformité avec la sunna. Mais ce n'est pas du grand kufr. Il est sorti de l'islam. Quelqu'un a fait un acte qui n'est pas en conformité avec la sunna. J'ai dit, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Il est sorti de l'islam? Non. Donc, est-ce que ici là, il parle de croyance, c'est-à-dire un croyant de base, c'est-à-dire celui qui a la base de la foi?
C'est-à-dire, est-ce qu'il veut infirmer ici, en fait, la base de la foi? Non! Parce qu'il voulait infirmer la base de la foi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ibn Battah, en mécréant, celui qui va dire une parole qui n'est pas en conformité avec la sunna, même si ce n'est pas du grand kufr. Ou quelqu'un qui va faire un acte qui n'est pas en conformité avec la sunna, même si ce n'est pas du grand kufr. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il dit quoi? Il dit bien, et il ne sera pas également croyant jusqu'à ce qu'il soit en conformité avec la sunna. Dans tout, tout ce qu'il va dire, tout, hein, tout ce qu'il va dire, tout, il dit tout ce qu'il va dire. Il dit ici, ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله. Donc c'est clair. Donc Ibn Battah ici ne parle pas de c'est pas la base de la foi qu'il veut infirmer ici. C'est-à-dire il ne sera pas, c'est-à-dire la personne, le sens ici, c'est-à-dire la personne ne sera pas également, hein, ou bien il ne sera pas également arme, il ne sera pas également croyant d'une foi complète jusqu'à ce qu'il soit aussi en conformité avec la sunna dans tout ce qu'il va dire et œuvrer. C'est ça. Et non, ici croyant, c'est-à-dire la base, n'est-ce pas, bien le comment on appelle, le croyant de base. Donc celui qui a juste la base de la foi. Donc ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous voyez? Donc pourquoi? C'est ça le problème. On vous demande de bien comprendre les paroles des savants. Parce que si vous ne comprenez pas bien les paroles des savants, vous allez égarer les gens. Et c'est ce que j'ai dit depuis. C'est pourquoi j'ai dit aux frères de ne plus t'écouter parce que tu comprends mal les propos des savants. Et celui qui n'a pas de ilm, il ne va pas voir ça parce qu'il n'a pas de science, il n'a pas de ilm. Vous voyez? Parce que le frère Lenga, il est venu avec ça, c'est-à-dire il s'est appuyé sur la partie, il dit « Et tout ce que j'ai expliqué là est venu dans le Coran et dans la Sunna, et les savants de la communauté sont unanimes sur ça. » Oui, les savants de la communauté sont unanimes sur ça. Toi, tu as cru qu'il parle ici de la question du... C'est-à-dire que celui qui délaisse ses actes apparents, il est sorti de l'islam et qu'il y a unanimité. Non. Non, mon frère. Non, mon frère. Tu n'as pas compris la parole d'Ibn Battah. Oui. Et le problème avec toi, c'est ça. Tu es rentré dans un sujet qui te dépasse. En fait, c'est le taqlid. Je sais que tu as pris ça. Je sais que tu as sûrement pris ça sur Internet. Ces ambiguïtés-là sont connues. Les réponses aussi sont connues, mon frère Linga. Les réponses sont connues. Les paroles sur lesquelles vous vous basez là, pour parler de consensus, c'est connu. Les réfutations sont connues. Je t'avais dit, je t'avais envoyé deux livres. Je t'avais dit de lire ça. Que ce sera profitable pour toi, Inch'Allah. Je ne sais même pas si tu as lu. Si tu as commencé à lire, je ne sais pas. Alors. Et c'est ça le problème, en fait. Ceux qui veulent, quand tu veux rentrer dans les questions, la question du iman, il faut que tu, c'est-à-dire, il faut comprendre déjà qu'on a des savants qui font la différence entre le croyant et le musulman, entre la foi et l'islam. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu rentres comme ça dans ces masailles-là, tu prends les paroles des savants comme ça, tu risques de faire même le taxir des gens dans le désordre. Et c'est étonnant. Quand il s'agit par exemple de certains ahadiths où le prophète dit n'est pas croyant celui qui fait ceci ou cela. Là, vous allez voir, ils vont comprendre que non, ici n'est pas croyant, ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas la base de la foi qui est infirmée ici, mais c'est la foi complète. Mais lorsqu'ils arrivent sur des paroles de certains savants, c'est comme s'ils oublient complètement qu'il y a une différence entre croyant et musulman. Vraiment, c'est étonnant. Qu'Allah nous aide. C'est comme ceux-là qui citent « La yastaqimu al-qawl illa bil-a'mal ». La parole ne peut être droite sans acte. Ou bien, la foi ne peut être droite sans acte. Mais qui a contredit ça? Qui a dit que la foi peut être droite sans acte? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Sachant que même quand on parle d'acte, quand on parle d'acte, on vise les actes du cœur et les actes des membres apparents.
Ça ne m'étonnerait même pas d'apprendre que même le frère Elenga ou ceux-là parfois, hein, qui sont sur cette même position du frère Elenga, ça ne m'étonnerait même pas de savoir que lorsqu'ils lisent même certaines paroles de certains salafs où ils parlent des actes, ça ne m'étonnerait même pas que quand ils lisent actes-là, ils pensent seulement aux actes apparents. Ils oublient les actes du cœur. Lorsqu'on dit il n'y a pas de foi sans actes, donc peut-être là ils sont en train de penser les actes des membres apparents. Non, il n'y a pas de foi sans actes. Non, il n'y a pas de foi sans actes. Les actes ici, on vise les actes du cœur et les actes des membres apparents. S'il n'y a pas ces actes-là, c'est-à-dire ensemble, dans les actes du cœur et les actes des membres apparents, il n'y a pas de foi. Et ça n'a pas de divergence entre les gens de la Sunna sur cela. C'est-à-dire, il n'y a aucun acte. Il n'y a pas de foi. Donc, il n'y a pas de foi sans actes, oui. Parce que les actes ici englobent les actes du cœur et les actes des membres apparents. C'est ensemble. C'est ce qui est visé. Quand les salafs parlent des actes, ils visent les actes du cœur et les actes des membres apparents. Ce n'est pas seulement les actes des membres apparents. Donc, il n'y a pas de foi sans actes. Non. Il n'y a pas de base de foi sans actes. Comme il n'y a pas de foi complète sans acte. Donc, où est l'ishkal? Il y a un ishkal ici. Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Et supposons que Ibn Bokpor a mentionné un consensus ici. Ok? Supposons qu'Ibn Bokpor a mentionné un consensus sur la mécréance de celui qui a délaissé les actes apparents. Ok? Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument du moment où il y a divergence. Ce n'est pas un argument du moment où il y a divergence. C'est-à-dire, Riwa et l'imam Ahmadou n'iront pas mécréant celui qui a délaissé les actes apparents. Et l'imam Zuhri. Et ceux qui ont eu la même position que l'imam Zuhri. Et ceux-là sont avant Ibn Bokpor. Hein, l'imam Zuhri. C'est avant Ibn Bokpor. Vous voyez. Donc, quel est le consensus des salafs ici? Quel est le consensus des salafs? Et le cheikh al-Islam mentionne la divergence depuis l'époque des salafs. Quel consensus des salafs? Donc supposons qu'il avait visé là-bas un consensus. Ça ne tient pas. Parce qu'il y a la divergence. C'est ça en fait. Mais vous lisez dans les livres là, les livres de fiqh, tel a dit consensus. Non, il n'y a pas consensus, il y a divergence. Le jeûne de samedi. Le frère Elenga voit que c'est interdit de jeûner le samedi, non? Sauf si c'est un jeûne obligatoire. Il est sur la même position que nous. Mais il y en a qui te disent non, consensus. Tu réponds quoi pas? Tu réponds quoi ici, là? Donc, nous disons, le simple fait de dire qu'il y a consensus, Jade, ça ne suffit pas pour que le consensus soit considéré comme étant un consensus réel. Il faut vraiment que ce consensus-là existe. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de divergence. Mais s'il y a la divergence, c'est fini. C'est-à-dire même si on a vu que c'était écrit consensus, ça ne tient plus en fait. C'est comme si, je vous donne un exemple simple. C'est comme si quelqu'un était en train de dire, on a par exemple, on a 20, ou on a 15 élèves. 15 élèves dans une classe. Ok? Voilà quelqu'un qui dit, donc quelqu'un est venu, il est passé, n'est-ce pas? Il voyait comment les élèves étaient en train de sortir de la salle de classe. Les élèves sortaient. Donc lui s'est dit que tous les élèves sont sortis. Vous voyez? Ok? Ou bien non? Laissons cet exemple-là. Voilà une salle de classe. Voilà une salle de classe. Dans cette salle de classe, ok, les élèves sont sortis. Les élèves sont sortis de cette salle de classe. Il y a deux élèves qui sont restés. Sauf que les deux élèves, n'est-ce pas, étaient par exemple derrière la porte. Ils étaient en train de lire. Par exemple, il y avait quelque chose qui était écrit, par exemple un tableau, hein, qui était écrit, ou bien une annonce.
Et donc, l'annonce était derrière la porte. Ils se sont mis derrière la porte pour lire ça. Ok? Quelqu'un est passé. Il a vu, il a regardé la salle de classe comme ça. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il n'a pas fait attention qu'il y a deux personnes qui sont derrière la porte là-bas. Maintenant, lui, il dit, on lui pose la question. Il y a des élèves dans la salle de classe là-bas. Il dit, il n'y a aucun élève là-bas. Tous les élèves sont sortis. Tous les élèves sont sortis. Cette parole-là, tous les élèves sont sortis. Est-ce qu'en réalité, tous les élèves sont sortis? En réalité, non. Vous voyez? Maintenant, si quelqu'un d'autre vient, il regarde, il voit les deux élèves. Il est rentré, lui il est rentré dans la salle de classe. Et il a vu les deux élèves là. Maintenant, en sortant, quelqu'un lui dit, tous les élèves sont sortis. Il dit, non, il reste deux élèves là-bas. Est-ce que vous suivez? Donc, celui qui a dit, tous les élèves sont sortis là, sa parole là, est-ce qu'elle est vraie en réalité? Elle n'est pas vraie. Elle ne tient plus. Pourquoi elle ne tient plus? Elle ne tient plus justement parce qu'on a trouvé qu'il y a deux élèves qui étaient dans la salle de classe. Mais celui qui a dit qu'il n'y a que tous les élèves sont sortis là, il a parlé par rapport à ce qu'il savait. Lui, il a cru qu'il n'y avait plus d'élèves parce qu'il a regardé dans la salle. Hein, il a regardé, ça peut être depuis l'extérieur, il a regardé, il n'a vu aucun élève. Donc il s'est basé sur ce qu'il a vu. Donc il a dit, moi je n'ai vu aucun élève là-bas. Vous voyez? Donc on ne peut plus s'accrocher sur sa parole là de dire que, non, on nous a dit, c'est un cirque, il a dit de conversation, il a dit, il n'y avait pas des élèves. Il a dit, tous les élèves sont sortis, tous les élèves sont sortis. Il dit, non, mon frère, il y avait deux élèves dans la salle de classe. Voilà quelqu'un qui est digne de confiance, qui dit aussi, il y avait deux élèves. Il y avait deux élèves derrière la porte. Et les élèves sortis disent, oui, effectivement, on était encore dans la salle de classe. On était en train de lire. Donc, tu ne peux plus ici t'accrocher sur la parole de celui qui a dit, tous les élèves sont sortis. Alors que maintenant, on a fait confirmer que non, tous les élèves n'étaient pas sortis. Donc, c'est une image, en fait. Donc, si on, un savant dit consensus, mais si on a découvert qu'il n'y a pas de consensus, ça ne sert à rien. Tu ne peux plus te cramponner sur cette parole à consensus. Comment, mon frère? Si déjà la différence est prouvée, tu ne peux plus te baser sur ça, mon frère. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre, mon frère Elenga. Donc si on suppose que Ibn Bokpor, n'est-ce pas, a visé ce que vous visez. Donc, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. Et même cette parole que vous voulez mentionner de l'imam Shafi'i, ça ne tient pas. Déjà au niveau de la compréhension. Vous n'avez pas bien compris sa parole. Si on dit même que c'est authentique, vous voyez. Même le cheikh al-Islam a mentionné la parole de l'imam Shafi'i, mais il n'a même pas compris ça comme vous, vous avez compris. Et le cheikh Rabi a bien expliqué ça, que ça ne tient pas, ce prétendu consensus qu'on rapporte de l'imam Shafi'i. Et tout ça, ça va venir en détail dans la traduction du livre du cheikh Rabi, Inch'Allah. Ensuite, le frère Elenga a apporté une autre ambiguïté. Il a parlé du kufr al-i'rab. Donc, le kufr, la mécréance par détournement. Donc, ils te disent que le fait de délaisser les actes apparents, c'est le kufr al-i'rab. Donc, la mécréance par le détournement. Alors, tout ça est dû au suivi aveugle. Tout d'abord, c'est quoi le kufr al-i'rab? Ibn al-Qayyim dit, dans son livre, Madarij al-Salikin, au tome 1, à la page 347, il dit, « وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَابِ فَأَنْ يُعْرِبَ بِسَمِعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ لَا يُصَدِّقُهُ وَلَا يُكَذِّبُهُ وَلَا يُوَالِيهِ ولا يعاديه ولا يصغي ولا يصغي الى ما جاء به البتة. Il dit, quant à la mécréance par détournement, c'est le fait de se détourner par son ouïe et son cœur. Donc il ne veut rien entendre de l'islam, il ne veut rien entendre du prophète. Jaïd. Il dit, c'est le fait de se détourner par son ouïe, son cœur du messager. Il ne croit pas en lui. Il ne le dément pas. Il ne le prend pas pour allié. Donc il ne le soutient pas, il ne l'aime pas. Ni ne le combat. Il ne se montre hostile envers lui. Il ne se préoccupe pas de ce qu'il a apporté. Alors il y a quelqu'un qui doute de la mécréance de celui-là.
Où est le cas de celui qui laisse des actes apparents ici? Ibn al-Qayyim dit également, dans Miftah ou Dar al-Sa'ada, au tome 1, page 94, il dit, wa kufru i'radin mahd, la yanzur fi ma ja'a bihi ar-rasul, wa la yuhibbuhu, wa la yubghidhuhu, wa la yuwalihi, wa la yu'adihi. Il dit la mécréance par détournement pur, et qu'il ne regarde pas ce que le messager a apporté. Il ne l'aime pas, ne le déteste pas, ne le soutient pas, ne l'aime pas, ni n'est hostile envers lui. Il ne le suit pas. Qui doute sur la mécréance de celui-là? Où est celui qui délaisse les actes apparents ici-là? Vous voyez? Le problème, c'est que vous voulez passer par un argumentaire qui ouvre la porte au khawarij. Si quelqu'un te dit délaisser toutes les œuvres en dehors de la prière, c'est le kufr al-i'rab. Car il s'est détourné ici par le délaissement des actes. Il a délaissé toutes les œuvres en dehors de la prière. C'est un détournement au niveau des actes. Il te dit ça, c'est le kufr al-i'rab. Tu dis quoi ici? Vous voyez? Vous dites, il ne pratique rien de la religion. Donc parlons de celui qui délaisse les actes apparents. C'est faux. Il pratique le tawhid. Il pratique le tawhid. S'il ne pratiquait rien de l'islam, il allait être kafir, mécréant. Quel est le savant qui allait dire que celui-là est musulman? Vous voyez? Parce qu'il devait être dans le kufr. Oui. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous voulez restreindre la pratique de la religion à l'accomplissement de la prière ou des actes apparents. Ça, c'est faux. C'est faux et archi faux. En tout cas, votre façon de s'argumenter, hein, c'est ce que ça implique, en fait. C'est-à-dire, vous le faites, mais vous n'êtes pas, c'est-à-dire que c'est inconsciemment, en fait. La religion est plus vaste que ça. La religion est plus vaste que ça. Rentre dans la pratique de la religion le fait de délaisser le kufr, le shirk pour Allah. Quelqu'un est musulman à la base, il a testé. Il connaît les formes de kufr, les formes de shirk. Il s'écarte de cela. Donc le grand kufr, le grand shirk, il s'écarte de cela. Car il craint d'aller en enfer éternellement. Il le fait pour Allah. Peut-on dire que celui-là ne pratique rien de l'islam? As-sahih, non. As-sahih, non. Non, pour celui-là qui rend mécréant, celui qui a délaissé la prière, enfin, ici, il ne prie pas, il ne pratique pas. Donc, ou même s'il peut, même s'il va, il peut dire, entre griffes, hein, qu'il pratique, mais il va dire ça ne compte pas en fait. Ce n'est pas valable. Parce que pour lui, il est mécréant. Oui. Nous disons la pratique de l'islam ne se limite pas à la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. La pratique de l'islam est plus vaste que ça. Il y a la pratique du tawhid aussi. Le fait de délaisser le kufr, le shirk, ça fait partie de la pratique du din. C'est pourquoi certains ont mal compris. Lorsqu'on dit la pratique de ce qu'implique l'attestation, ils croient que c'est la prière, le jeûne, etc. Non. Non, c'est pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit ceci dans Ad-Durar al-Thaniya, à la page... Cette page-là, à la page, au tome 2, à la page 48, tome 2, page 48, il dit quoi? Écoutez bien, il dit, donc, Durar al-Thaniya, tome 2, page 48, il dit, An-nutqu biha la yanfa'u illa bil-amali bimuqtabaha. Écoutez bien. Il dit, An-nutqu biha la yanfa'u
إلا بالعمل بمقتضاها وهو ترك الشرك وهو ترك الشرك وهذا هو المطلوب. Je reprends. Il dit النطق بها لا ينفع إلا إلا بالعمل بمقتضاها إلا بالعمل بمقتضاها وهو ترك الشرك. Le Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab dit la prononciation de l'attestation n'est pas profitable ou n'est profitable qu'avec la pratique de ce qu'elle implique. Écoutez bien, il dit la prononciation de l'attestation n'est profitable qu'avec la pratique de ce qu'elle implique. Il dit, et il s'agit du délaissement du shirk. Il dit, c'est ce qui est demandé. Il dit quoi? Et il s'agit du délaissement du shirk. Donc, comment il a expliqué la pratique de ce qu'impliquent les deux attestations? Ou la pratique de ce qu'implique l'attestation? La pratique de ce qu'implique l'attestation? Comment il a expliqué ça? Il a expliqué ça par le délaissement du shirk. Il dit bien ici, la prononciation de l'attestation n'est profitable qu'avec la pratique de ce qu'elle implique. Et il s'agit du délaissement du shirk. C'est clair ou pas? C'est clair. C'est clair. C'est pourquoi le Cheikh Rabi a raison lorsqu'il réfute ceux-là qui prennent des propos du Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab où il parle de la pratique de ce qu'implique l'attestation de foi pour parler de la question du comment on appelle il y a seulement des actes apparents. Vous voyez? Parce que qu'est-ce qu'il vise par la pratique de ce que l'attestation implique? C'est ça. Donc, ici, là, le délaissement du shirk, il a considéré ça comme étant la pratique de ce qu'implique l'attestation de foi. Vous voyez? Et on avait déjà vu que le délaissement même était un acte. On a vu ça dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Et peut-être on va encore parler de ça en détail quand on va continuer notre traduction du livre du Cheikh Rabi'. Alors, pour finir, une dernière ambiguïté. Le frère Elenga fait comprendre que qui a précédé le Cheikh Rabi' dans le fait de rendre faible le Asar de Abdullah ibn Shaqiq. Bon, ça c'est vraiment, on va dire, c'est une parole qui est bien une ambiguïté, qui est aussi fragile qu'une toile d'araignée. Alors, tout d'abord, le Cheikh Rabi' n'est pas le seul à dire qu'il n'y a pas de consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui les laisse la prière. Avant le Cheikh Rabi', des savants n'ont pas reconnu ce consensus-là. Déjà, on a l'imam Nawawi. Prends Al-Majmou' de l'imam Nawawi. Regarde comment il a expliqué le Asar de Abdullah ibn Shaqiq. Et comment il a expliqué les arguments de ceux qui disent que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam. Tu vas comprendre clairement que pour l'imam Nawawi, il n'y a pas de consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse la prière. Ça c'est un. Deuxièmement, l'imam Mohammed ibn Nasr, il te dit quoi? Après avoir parlé de ce qu'il a compris, de ce qui est rapporté des compagnons et du prophète, il te dit, après les savants ont divergé sur la compréhension de ce qui est rapporté, sur l'interprétation de ce qui est rapporté des compagnons et du prophète, sur la mécréance celui qui délaisse sa prière. Donc il y a une divergence sur la compréhension de ce qui est rapporté. Il y a une divergence sur l'interprétation
Vous voyez. Et les savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière là. Tous ces savants là. Donc tu penses que ces savants là ont décidé comme ça de contredire le consensus des compagnons, volontairement comme ça. Ils ont dit, les compagnons, ils ont vu que les compagnons étaient unanimes, que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam, et puis ils ont dit, nous on contredit ce consensus là. On ne suit pas les compagnons dans ça. Tu es sûr de ça? Et même le Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani ne voit pas que les compagnons étaient unanimes sur la grande mécréance, celui qui a laissé la prière. Les paroles du Cheikh Al-Albani sont là. Le Cheikh Al-Albani, on a même posé la question une fois au Cheikh Al-Albani, il a dit, on n'a pas une parole claire des compagnons que ce qui est visé dans le Athar là, c'est la grande mécréance. Vous voyez. Donc, même le Cheikh Al-Albani ne voit pas que les compagnons étaient unanimes. Que celui qui a décidé après, il est sorti de l'islam. Donc le Cheikh Robin n'est pas le seul à nier ce consensus, en réalité. C'est juste que vous ne faites pas attention. Oui. Donc au niveau de l'affirmation du consensus, le Cheikh Robin n'est pas le seul. Maintenant, la question de l'authenticité du Hassar, ça c'est un détail. Ça, c'est maintenant un détail, parce que déjà, il y a des savants qui ne sont pas, c'est-à-dire, il y a des savants qui n'affirment pas ce consensus-là. Et puis, je me suis même posé une question. L'imam Ahmed est connu pour son suivi des Asar. Je me demande pourquoi l'imam Ahmed, pourtant l'imam Ahmed a mis un riwaya, lui, il rend mécréant celui qui délaisse sa prière. Mais pourquoi l'imam Ahmed, en tout cas à ma connaissance, hein, je n'ai jamais vu l'imam Ahmed s'argumenter du Asar-là. De Abdullah ibn Shaqiq, que les compagnons étaient unanimes. Alors que l'imam Ahmed est vraiment connu pour son attachement au Hassar. Pourquoi l'imam Ahmed ne s'est jamais argumenté de ce Hassar-là? En tout cas, à ma connaissance. Et dans Usul Sunnah, il s'est contenté de mentionner les termes, hein, le sens qui est venu dans le Hassar-là, sans dire les compagnons. Pourquoi? Ça fait réfléchir. Est-ce qu'il voyait que ce Hassar-là a un problème? Est-ce qu'il voyait qu'il n'y a pas de consensus? Allez, le plus savant. Dans tous les cas. Donc, déjà au niveau de l'information du consensus, c'est à Padishkal. Maintenant, l'authenticité du Hassar. Et mon frère Elinga, ça c'est des choses qu'on étudie. Hein? C'est ça fait partie aussi de l'ignorance de certains principes chez les gens du hadith. Lorsque Ibn Salah a fait comprendre que la porte de l'ijtihad concernant l'authenticité des hadiths est fermée, qu'est-ce que les savants du hadith ont dit? Les savants ont réfuté ça. Il y a eu tout un débat sur le sujet. Et la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas fermer la porte de l'ijtihad ici. Et je crois que j'avais parlé de ça, de ce sujet-là un peu, hein, dans le Nouzha, Ibn Hajar. Et aussi, quand j'avais réfuté Mohamed Badjurofil, je crois, hein, parce qu'il voulait aussi venir avec cette ambiguïté-là pour... Parce qu'il cite beaucoup des hadiths faibles, Mohamed Badjurofil. Il cite souvent des hadiths da'ifa. Et souvent, les gens, n'est-ce pas, souvent, on lui dit que ce qu'il a rapporté, c'est un hadith faible, etc. Et donc, il voulait s'échapper. Mais donc, il a essayé d'apporter cette ambiguïté-là. Comme pour dire, en fait, parce que les gens disent souvent, le Cheikh Al-Albani a rendu ça faible, le Cheikh Al-Albani a rendu ça faible. Donc, il a voulu apporter cette ambiguïté, en fait, pour dire que non, il n'y a plus à authentifier les hadiths là. Authentifier les hadiths, non. Vous voyez, c'est fermé, la porte là est fermée. Vous voyez. Et donc il a amené cette ambiguïté là de ce qu'on a compris des propos d'Ibn Salah et tout ça. Vous voyez. Bref, ici là, en ce qui concerne l'authenticité des hadiths, ok, dire qu'un hadith authentique, qu'un hadith est faible, il faut comprendre une chose.
Nous avons le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Ces deux livres-là, les savants sont unanimes que ce qui est là-bas est authentique. Sauf certains ahadiths où ils divergent. Quelques ahadiths où ils divergent. Alors, les ahadiths où il n'y a pas de divergence là, quelqu'un n'a pas le droit de venir prendre ces ahadiths-là et commencer à donner un jugement, de dire par exemple que c'est faible. Parce que ici, il y a unanimité. Il y a les savants qui ont mentionné le consensus. Mais en dehors du Sahih al-Bukhari, du Sahih Muslim, les autres ahadiths-là, le savant qui a le niveau, qui a atteint le niveau, il peut faire un ijtihad, il rend un hadith authentique, il rend un hadith faible, en fonction des preuves. Parce que là-bas, il n'y a pas unanimité, sauf si il y a un savant qui a mentionné que tel hadith précis, il y a unanimité que c'est authentique. Mais tant qu'on n'a pas un, c'est-à-dire on n'a pas un savant qui parle de consensus, on n'est pas dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, le savant peut faire son ijtihad. La porte là n'est pas fermée. Et on peut accepter sa parole comme on peut rejeter, en fonction des preuves. Mais s'il apporte des preuves solides qui montrent que tel asar ou tel hadith est faible, n'est-ce pas? On se doit d'accepter cela. Oui. On se doit d'accepter cela. On a des asar même aujourd'hui. Tu trouves des asar, parfois tu ne trouves pas directement le jugement d'un savant sur ça. C'est-à-dire que tu ne trouves pas un savant qui a dit c'est authentique ou faible. On fait quoi? On laisse comme ça, on reste comme ça. Il y a des asars comme ça que tu peux trouver, tu ne trouves pas un savant qui a donné un hukm sur ce asar-là. Nous, quand on étudiait en faculté de hadith, on nous disait ça. On fait comment? Vous voyez? Donc, cette porte n'est pas du tout fermée. Ok? Cette porte n'est pas du tout fermée. Donc, même lorsqu'on dit non, n'est pas passé une masse là, tu n'as pas celui qui t'a prêté dans ça. Il ne s'élève pas de manière absolue. Ici, là, en ce qui concerne la science du hadith, j'ai l'authenticité et les faiblesses, non, c'est pas comme ça. On a dit masse à la même. Oui. Alors, ça, c'est une question. Ça peut faire l'objet de tout un cours. Hein. J'ai voulu faire un audio sur ça, apporter un peu plus de détails sur le sujet, des paroles, etc. Mais j'ai vu que je vais réfléchir en fait si je vais détailler cela dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', lorsqu'on va arriver, n'est-ce pas, sur la question du Asar de Abdullah ibn Shaqiq Jaid. Donc je vais voir si on va parler de ça là-bas en détail. Jade. Donc bref, ça c'est vraiment une ambiguïté qui ne tient pas. Ok. Tout ça parce que on a du mal à faire une réfutation scientifique. Parce que la réfutation du Cheikh Robin, elle est très forte. Très forte. Elle est très forte. Vous voyez. Et le Cheikh Robin a confirmé ça. Sa réfutation par rapport au Asar là de Abdullah ibn Shaqiq, c'est une réfutation qui est forte. Oui. Et le Cheikh Robin avait déjà même évoqué ça. On ne doit pas fermer la porte de l'ijtihad. Il a évoqué ça. Et même dans son site, on lui avait posé une question allant dans ce sens-là. Est-ce que on peut rendre un hadith? Par exemple, on peut donner un jugement sur un hadith si on ne connaît pas un savant qui a donné le jugement sur ça. Ou même si on n'a pas été précédé. Vous voyez. Par un savant. Oui. Bref, voilà ce que je voulais rappeler. Et quoi d'autre? Il y a aussi un hadith que certains citent, mais l'istidlal n'est pas juste. L'istidlal n'est pas juste. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, s'il est en bon état, le corps tout entier, et j'ai oublié même, est-ce que vous pouvez prouver que le asar de Abdullah ibn Shaqiq là, est-ce que vous pouvez prouver que les savants sont unanimes, que c'est authentique? Vous pouvez prouver ça. Est-ce que vous avez la parole d'un seul savant
qui mentionnait un consensus sur l'authenticité de ce affaire-là. Ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, ici, dire qu'il y a un consensus sur l'authenticité de ce affaire. Quel est le savant qui a mentionné le consensus-là? Vous voyez. Alors, donc ils disent, en vérité, donc ils disent que le prophète a dit, en vérité, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est en bon état, le corps tout entier l'est aussi. Et s'il est en mauvais état, le corps aussi le sera. Il s'agit du cœur. Beaucoup citent ça pour faire le taksir de celui qui laisse ses actes apparents. Ils disent, comment on va dire que le cœur de celui-là est bon, alors qu'il n'y a pas les actes, il n'y a pas d'actes apparents. Alors, l'istidlal n'est pas sahih, n'est pas juste. Le hadith, on est tous d'accord avec ce qui est dit dans le hadith. Le problème, c'est la compréhension du hadith. Le texte est clair que le fait que le cœur soit mauvais implique que l'extérieur le soit aussi. Sauf que ce qui est mauvais et ce qui est bon a des degrés. Vous pensez que le salah du corps des compagnons est le même que le salah de tous les musulmans? Mais tous les deux ont dit qu'il y a le salah. Vous voyez? C'est pareil pour le façade du cœur des musulmans qui ont une faible foi n'est pas le façade du cœur d'un mécréant. Vous voyez? Il peut y avoir le façade dans le cœur au point où il ne reste que le poids d'un atome de foi, ou plus bas que cela. Si le cœur est totalement mauvais, le façade est total. Alors, ça va conduire au kufr et au façade des actes apparents. Mais si le façade est partiel, ici on dit, il y a ici un regroupement du façade et du solah. Donc, le cœur de celui-là est bon par rapport à ce qu'il y a comme foi, comme base de la foi, et il est mauvais par rapport à ce qu'il y a comme péché et délaissement des obligations. Celui qui délaisse les actes apparents, est-ce qu'on peut dire que son cœur est bon de manière absolue comme ça? Non, jamais. Si son cœur était bon, si son cœur était totalement bon, il ne devait pas délaisser, n'est-ce pas, les obligations, les actes apparents. Donc, nous disons, son cœur n'est pas bon. Mais, l'information ici n'est pas du tout une information totale. Mais c'est une information partielle. Donc, son cœur n'est pas bon. Oui, son cœur n'est pas bon. Donc, nous disons, son cœur n'est pas bon. Mais attention, c'est une information partielle et non totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cœur est quand même bon. Même si la grande majorité, n'est-ce pas, du cœur n'est pas bon. Donc, il a encore le tawhid. La foi là qui est faible, qui est encore là. Vous voyez? Quant à celui qui rend mécréant, celui qui délaisse sa prière, il dira que celui-là, son cœur est mauvais, de manière totale, car il a la preuve qu'il a commis une grande mécréance. Vous voyez? Donc la seule chose que le hadith prouve, c'est que si le cœur est bon, l'extérieur aussi le sera. S'il est mauvais, l'extérieur aussi le sera. Jade? Quant à la délimitation de mauvais jayd, le hadith ne parle pas de ça. Vous voyez. Donc parfois c'est total si il y a du kufr et parfois c'est partiel si la foi est faible, que la personne, n'est-ce pas, commet des péchés, délaisse des obligations, mais la base de la foi est toujours là. Vous voyez. Si quelqu'un délaisse toutes les œuvres en dehors de la prière, toutes les œuvres apparentes en dehors de la prière, que dites-vous du cœur de celui-là? Son cœur est bon? Vous allez dire non. Sauf que ce non-là n'implique pas le taksir chez vous. Ça n'implique pas le taksir chez vous. Vous ne pouvez pas nous dire que le cœur de celui-là est bon de manière absolue. Car si tel était le cas,
Pourquoi il a délaissé toutes les obligations, c'est-à-dire toutes les œuvres apparentes en dehors de la prière? Pourquoi? Donc le fait qu'il délaisse toutes les œuvres en dehors, donc quand je dis toutes les œuvres, c'est-à-dire toutes les œuvres apparentes en dehors de la prière, quand il délaisse, ou du moment où il délaisse toutes les œuvres apparentes en dehors de la prière, ça prouve clairement que son cœur a un problème. Oui. Donc son cœur ne peut pas du tout être totalement bon. Oui. Donc vous allez nous dire que son cœur n'est pas bon. Mais vous infirmez ici, vous infirmez quoi ici? Vous infirmez ici, c'est-à-dire une chose qui est quoi? Qui est totale. C'est-à-dire son cœur n'est pas totalement bon. Mais vous direz que son cœur est quand même bon par rapport à la foi qui est dans son cœur. Donc, vous comprenez que ce hadith, on doit le comprendre à la lumière des textes qui parlent de la grande mécréance, de celui qui fait ceci ou cela, qui délaisse ceci ou cela. Vous voyez, sinon c'est la catastrophe. Vous voyez. Et le cher Khalid a bien détaillé cela dans son livre Zammul Irja. Et je n'ai pas vu un livre qui a réfuté les ambiguïtés ou les arguments de ceux qui rendent mécréant celui qui laisse ses actes apparents comme celui-là. Ou même les ambiguïtés de ceux qui accusent d'Irja ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui a laissé les actes apparents. Je n'ai pas vu un livre qui réfute vraiment les ambiguïtés ou bien les arguments de cela comme ce livre. Certains peuvent lire le livre, certains peuvent lire le livre du cher Rabi' et trouver qu'il n'a pas réfuté toutes les ambiguïtés, ou même beaucoup d'ambiguïtés là-bas. Effectivement, parce que le cher, en fait, il faut comprendre une chose. Le livre du cher Rabi', à la base, ce sont des réfutations qu'il a eu à faire à des gens. C'est-à-dire, il a lu des propos de certaines personnes, il a réfuté ces gens-là, dans ce qu'ils ont écrit. Donc ce n'est pas que le cheikh a décidé comme ça, il a dit « Bon, je vais écrire un livre où je vais regrouper tout ce que je peux trouver comme ambiguïté sur le sujet et je vais réfuter ça. » Ok? Non. Le cheikh lisait des écrits de certaines personnes. Et donc, en lisant ça, il a décidé de faire des réfutations par rapport à ce qu'ils ont écrit. Jade, maintenant, ces réfutations-là, on a décidé de mettre ça dans un livre, de regrouper ça dans un livre. En fait, ces réfutations sont dans son site. On a donc décidé de mettre ça dans un livre. C'est comme ça qu'ils ont mis ça dans le livre-là, Al-Maqalat ou Al-Asariya. Il y a même des réfutations qui ne sont pas dans le livre. Et de très bonnes réfutations même, surtout ces réfutations à Abdul Hamid Al-Juhani. Vous voyez. Par exemple, sa réfutation, lorsqu'il réfute Abdul Hamid Al-Juhani sur... n'est-ce pas, la position de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i, et même de l'imam Zuhri, sur le jugement de celui qui délaisse sa prière, les actes apparents et tout ça. Ce n'est pas dans Al-Maqalat ou Al-Asariya. Ça, on trouve ça dans son site, on trouve ça sur Internet. Vous voyez. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont même pas mis ça dans le livre. C'est vraiment, je trouve que ça fait partie des plus fortes réfutations, ou des réfutations les plus fortes. Vous voyez, du Cheikh Rabi', au Haddadir. Oui. Donc, c'est ça en fait. C'est pourquoi quelqu'un va lire le livre du Cheikh Rabi', il va prendre Al-Furuq, il va voir que, oh merde, dans Al-Furuq, là-bas, il a soulevé des points. Bon, le Cheikh Rabi' n'a pas accepté ça là-bas. Oui, mais parce que le Cheikh Rabi' n'a pas. C'est le livre Al-Maqalat ou Al-Asariya. Ce n'est pas une réfutation du livre Al-Furuq à la base. Même si, dans le livre, il se peut qu'il réfute là-bas des points que celui qui a écrit le livre Al-Furuq a mentionné. Mais ce n'est pas une réfutation de ce livre à la base. Le cheikh a pris, c'est-à-dire il réfutait des écrits de certaines personnes. C'est-à-dire quelqu'un a fait un écrit, ok? Quelqu'un fait un écrit, et dans cet écrit il met certaines ambiguïtés. Toi tu prends l'écrit, là tu réfutes ça. Donc c'est comme ça. Il a réfuté des écrits de certaines personnes. Ensuite on a pris ça, on a mis ça dans le livre là, on a regroupé ça dans le livre là. C'est ça en fait. Vous voyez? Alors que le livre du cheikh Khalid là, lui, il a carrément écrit, c'est-à-dire il a essayé de regrouper tout ce qu'il peut trouver comme shubhat et réfuter ça. Donc, son livre,
En fait, le livre du Cheikh Rabi', c'est un livre où il est en train d'expliquer en fait qu'il y a une divergence entre les salafs sur le jugement de celui qui laisse ses actes apparents. Où il explique que ça va diverger sur le jugement de celui qui laisse la prière. Qu'il ne faut pas taxer d'irja, il ne faut pas accuser d'irja, ceux-là qui ne rendent pas mécrans celui qui laisse la prière, ceux-là qui ne rendent pas mécrans celui qui laisse ses actes apparents. C'est ça en fait. Vous voyez. Maintenant, le livre du Cheikh Khalidla, Zammul Irjala, lui, il a carrément écrit ça, c'est-à-dire son but même, c'était de défendre les savants, n'est-ce pas, qu'on a accusés d'Irja, tels que le Cheikh Al-Albani, à leur tête le Cheikh Al-Albani, et aussi de réfuter les ambiguïtés que les gens apportent pour accuser d'Irja ceux-là qui ne rendent pas mécrans, ceux qui allaient laisser les actes apparents. Vous voyez, c'est pourquoi le titre du livre, c'est quoi le titre du livre ? Zammul Irja wa bara'atu ahli al-ilm wa al-hadith minhu wa ar-radd 'ala man ramahum bihi. Oui. On peut dire donc réfutation ou réprimande de l'irja et l'innocence des gens de science et du hadith de cela, donc de l'irja. Et réfutation à ceux qui les ont accusés d'irja. Oui. Donc lui, son livre, c'est même, c'est-à-dire, il a écrit ça pour faire une, c'est-à-dire, c'est tout un rad. Vous voyez. Donc, vraiment, je peux dire que la majorité des ambiguïtés, ou la majorité des arguments que certains avancent pour taxer l'Irja, ou bien pour accuser l'Irja, ceux-là qui ne rendent pas mécrans, celui qui a laissé les actes apparents, il a mentionné ça là-bas, il a réfuté. En fait, lui, il a regroupé tout ce qu'il a pu trouver comme ambiguïté. Vous voyez. Et il a bien réfuté, il a fait des bonnes réfutations, même si, bon, il y a des petits points là-bas où je ne suis pas totalement d'accord avec lui, mais, en général, il a bien réfuté, en fait. Vous voyez. Il a bien réfuté. Et j'avais déjà parlé de ce livre, et même ça, son explication lorsqu'il a détaillé le hadith de l'intercession, le Cheikh Rabi', n'est-ce pas, a même félicité par rapport à son rad, ses explications par rapport au hadith de l'intercession. Oui. Alors, on va s'arrêter. On s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. J'espère que ce qu'on a dit sera profitable. Et j'espère que ça, c'est le dernier audio. On demande qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion, qu'il nous pardonne nos fautes.